J'ai que 20 minutes maintenant. Je préfère le passer avec vous. Mon rendez-vous, c'est dans bientôt, quoi. Okay. On a été interrompu parce que mon téléphone s'est chauffé. Jack Fof Rezoma Alma Menotto depuis l'Italie. Nana la musique est ici. Voilà, moi artiste Almami, merci beaucoup. Voilà, on a été interrompu, on était tout à l'heure avec Tata Kourou qui a épluché certains coins de ces maudits blogueurs. Et ouais, colonel Falama Obem, il y a une frange des jeunes qui s'attaquent souvent au cadre de la basse cote sur les réseaux sociaux. Vous leur faites du tort. Ils sont là-bas comme un troisième larron. Place décisive, yomuneira. Inukasur Tongo, Bidakolo, Alpha Rouinandeng, même former son gouvernement. Il a fallu que Alpha a gouvernement formé, attend pas valider son. Attend, Abramanan tu es fort. C'est ça. Ensuite, on kirdi Bangura Tongo, Alpha a gouvernement naratan. Parce qu'il n'a pas fait Alpha Nani. Alpha a fait Naramfala, Anan Nanyar, Alpha a fait simple. Donc, décision, yomou la ira. Donc, voilà, Fala aura attaqué parce que Moussou, c'est Malima, Oumar et Tonyege. Troisième larron Nanira. On te l'amène, on a un défendu Tongo. Baidi Haribo. Baidi Haribo, il est le deuxième vice-président. Deuxième, même pas premier vice-président. Deuxième, Lucien Nanamani. On ne binga patrouille Mantongo. Maninkena Nira. Signor Yamou la ira. On a fait ça. Alpha a barré une ensemble, il est bien. Il est bien. Donc, on a à Koulon, on fait une rame falama. On a baffé Koulon. Attaquer tout un ces cadres-là, c'est leur faire du tort. Et non, on a un tout et démissionné. On a un démissionné. Il a donné des mounas à son nom. Il a un bangé, il a un problème et créé. On a tout l'enquête et oui, la minima. On a tout l'enquête et fait une rame. Même quand on est parti assassiner les parents de Kirdi Bangura Akoya, qu'est-ce qu'il pouvait proposer au président de donner un peu aux gens là et payer Tarantina ou Niras Ganameni? Donc il peut rien. Il peut absolument rien. Il ne faut même pas compter sur ce cadre là. On a compté. Mayat, Befenina Nira, Débrouillère Nira. Et ça, poste, ce n'est pas des postes stratégiques, ce n'est pas des postes décisifs. Rien d'autre. Voilà. Donc laissez-les. Menez votre combat. Oui, Luna. Souvent, on s'attaque à Baidi, on s'attaque à Kassouri, on s'attaque à Kirdi, on s'attaque à Malik Sankon. Hey, et mon nom, c'est ça. C'est pas des postes décisifs. Malik Sankon, retraité, il a un accord, manipulé, ma mère. A dégué, on a un cadeau là-bas, on a un cadeau. Des retraités, c'est pas un poste stratégique. C'est pas un poste stratégique du tout. Dites-moi le nom d'un cadre sous qui occupe un poste stratégique. Par exemple, comme la sécurité, comme l'armée. Sous ces arménien, Emma Bana, il faisait un bon boulot là-bas. Kabele, on l'a enlevé là-bas, on a envoyé un parent là-bas. Donc c'est ce qu'il faut comprendre. Si on ne leur soutient pas, on ne critique pas,
Mais il faut pas s'en prendre à eux farouchement parce que nous, on m'a dit ils peuvent absolument rien. On a relégué les cadres au dernier degré, en silence, on les a réduits en silence. Voilà, on a tant fait au bain. Regardez les KPC. Il avait beaucoup de marchés, on a même anéanti tous ces marchés, on a donné à leurs parents. C'est Kabak du terre. Il nous a dit, c'est les faits qui parlent d'eux-mêmes. Donc, quand on revient à ces maudits-là, les sous-sous, au terrain de la basse-côte, les jeunes, c'est vous qui êtes là-bas. Vous avez dit, c'est pas la première fois qu'il insulte à l'air, c'est mais ça, je pense que ça doit être la dernière fois. Il n'y a pas mille manières. Il faut copier la méthode Tatakourou et Fodé Camara, symbolique révolutionnaire. C'est cette méthode qu'il faut copier. Uniquement. Alors, Fara, c'est ce que l'intendant de la République, là, quoi. De la présidence, Bill Gates, là, Bill Gates. Il vient là-bas. Il vient là-bas. C'est bon. Voilà, c'est bon, c'est fini. Attends, marre de nos réseaux sociaux. Mais si c'est pas ça, vous qui êtes à l'intérieur là, arrêtez de parler maintenant, il faut passer à l'action. Il faut le prendre. Très bien parce qu'il a critiqué Alpha Condé. C'est tout ce qu'il voulait, c'est DS Vision TV. Mon cher ami, comment vas-tu? Est-ce que vous comprenez? Donc c'est ce qu'il faut faire maintenant. Wa souna wa maha wa mahata amgel ma kwala kri. Et puis il vient en plus siège du RPZ, il y a des jeunes sous là-bas en foutre wa forema. Vous ne gagnez rien. Regardez même les communicants. Je ne dis pas les maudits blogueurs, je dis les communicants. Montrez-moi un seul jeune de la Basse-Côte qui a une place là-bas, qui est cadre là-bas. On a transformé tous les jeunes malinqués là quoi en cadre. Tous les jeunes mal. Sinon, Yaramara, il faut le dire. Vous n'allez jamais me dire le nom d'un jeune cadre sous-sous qui se sont battus, qui ont de l'expérience, qui ont au moins le niveau. Mais place Yomuneira. Tout ce qu'on leur donne, c'est 50 000 agnons. C'est fini. Même les Kiri Bangura ne peuvent pas les aider parce qu'ils ont fait une nanira. Ils ont fait ma bonne réforme, ils ont fait une misère. Tu le calcules même pas. Tu ne peux pas le calculer. Et puis, quand on te l'amène, regardez les Yaya de bas. Qu'est-ce qu'on peut trouver que Yaya Deba n'a pas dit à Konakri? Il est monté, il est descendu. Amar Nafiri Yaraba, Amar Kerkepi Yaraba, Amar Febirin ça. Même à la place, il y a des masses oreilles. Parce qu'il est sous-sous. Et il est peul. Parce qu'il est peul. C'est la seule explication qu'on peut trouver. Parce qu'il est peul. Yaya Deba. Tu ne peux pas faire sortir un communicant. Lui, c'est un communicant. Hein. C'est pas un maudit blogueur, c'est un communicant. Yaya Deba, c'est un ami. Donc, Yaya Deba a tout fait. Il a fait le tour des radios. Yaya Deba n'a rien gagné avec ce pouvoir. Rien. Et pourtant, tu ne peux pas faire sortir plus de deux personnes qui ont parlé dans les radios, qui ont marché au nom du professeur Alpha Condé, plus que Yaya Deba. Qu'est-ce qu'il gagne? Rien. Que dalle. Rien. En rentre une somme faux à des. C'est sa bouche seulement. Donc, quand on quitte là-bas, là, on prend le chien malade là, quoi. Le chien enragé. Le chien matalari. Wena Tongo, il vient se foutre de tout le monde. Il gagne absolument rien. Mais on ne va pas rien commis. Mais on ne va pas commis. Et puis, les cadres malinqués, là, ils ne les insultent pas. Ce sont des cadres sous-sous, les cadres purs, ils viennent insulter. Quand tu parles à la radio, ils viennent t'insulter. Sur les réseaux sociaux ou bien dans le bureau de Bill Gates. Parce que c'est là-bas qu'il va s'asseoir, il insulte des gens. Donc, on a Bill Gates épargné. Il faut s'en prendre à lui. Parce que, attendez, à contact bloqué. Parce que faire un bureau là, à Barley, il fallait faire un vidéo. Si ce n'est pas lui. Mais comme c'est lui qui le soutient. Donc, lui, il est petit. Il faut aller vers vers Bill Gates. C'est tout. Donc, c'est tout. Et franchement, je suis déçu de certaines personnes, de certaines
personnes de la Basse-Côte. Je ne dis pas des cadres de la Basse-Côte. Il n'y a pas de cadres en Basse-Côte pour le moment. Parce qu'ils n'ont rien. Ils n'ont pas de poste décisif. Ils n'ont pas de poste décisif. Hein. Tous les cadres de la Basse-Côte, tous les cadres qui sont les mêmes, ils ont dit, stop, Amunana. Ça n'existe pas. Ça n'existe, et ça n'existera jamais avec le régime là. Donc, s'en prendre à ces cadres là, c'est vraiment leur créer d'autres problèmes. Parce qu'ils ne peuvent pas. Ils m'ont mon nom. Ils m'ont nom. Aïbala. Donc, guerre m'a recommencé. Les jeunes là, parce qu'il faut montrer à ces gens là, quand on insulte à leur nom, c'est eux qui encouragent ces injures là. C'est eux qui encouragent ces injures là. Moi, les maudits blogueurs là, maintenant, c'est fini, j'ai tourné votre page là. Parce que c'est mon aura. Vous n'êtes rien, vous ne serez rien. Regardez même, les Nyeloi, quand tu dis que quelqu'un a sacrifié sa vie pour Alpha Condé, c'est les Nyeloi que je prends. Parce que eux là, ils ont mis leur vie là, dans plateau, et sur Alpha Condé. Pour les récompenser, qu'est-ce qu'ils ont fait? Investiture et m'a invité à dire. Vous voyez combien de fois ils sont calmes maintenant là quoi. Ayadi et Mounoma Badiye, ils ont sacrifié leur vie. Leur vie est menacée. Moi-même, je le dis chaque fois. Le jour que Alpha Condé ne sera pas là, ils sont menacés. Leur vie est menacée. Parce que Etera, communauté Kanké, à cause de quelqu'un qui ne peut pas reconnaître ça. Emile Makumbi, à cause de quelqu'un qui ne pourra pas reconnaître ça. Donc, si on doit prendre des personnes qui se sont sacrifiées pour Alpha Condé, c'est des Nyeloi. En tout cas, blogueurs, c'est des Nyeloi. Ce sont eux qui se sont sacrifiés. Et l'autre là, comment il s'appelle même quoi? Marley Ankolo. Donc, c'est les trois là. Ils se sont sacrifiés pour ce régime. Et puis, dans le tort, parce que non dit Toré, non dit Luna, est-ce que vous les farez? Mais aujourd'hui, ils récoltent ce qu'ils ont semé. C'est la trahison. C'est l'ingratitude qu'on leur donne. Ils n'en ont soumis, ils en ont consommé. Et le jour que Alpha Condé ne sera pas là, ça va être le premier exilé. Et moi gagne Alpha, et moi gagne. Fatignelo, il a dit. Je gagne absolument rien. Et puis, je prends même mes propres biens. Je montre que le professeur Alpha Condé m'a donné pour faire du mal au camp adverse. Elle a dit, quand elle était fâchée, quand on l'a déçue, elle a même pleuré. Vous avez vu ça? Il n'y a pas une personne qui s'est sacrifiée plus que les gens là. Donc, faites beaucoup attention. Laissez les cadres sous. Parce que place mouné yira. Parce que place mouné yira. Ouende mouné ben. Et ben amfemfe. C'est le troisième larron. Et ben amfema. Hale falne be ou komite, kominantima. Il n'y a pas de cadre sous pour le moment. S'il y a un cadre qui est placé, il est indigène de Malinké. C'est tout. C'est mon ébène à 0-0. Ou bien c'est ça, n'a pas dit n'a quoi. Alors, retraité, il a couvert donné n'a quoi. Malik, c'est encore n'a de n'a n'a. Caisse nationale de la sécurité sociale. Et ça, n'a même. Un retraité, il a couvert donné. Il a fait débrouiller n'a quoi. Voilà. Mais il fallait faire sécurité, la police nationale. Vous avez vu? La police nationale, DPJ, justice. Et bah, rien n'a tout n'a. Tout. Alcotum et Ranon. C'est un peu. Donc, sur ce, Ogoro, Marandez-vous, Marali. Il est combien? Il est combien? Où est-ce que c'est? Il est quelle heure? On m'a aidé. Allô, quelques minutes, Laurie, parce que c'est à 25. Voilà, on a quelques 2 minutes. Si quelqu'un dépose la demande, je vais le prendre. Je n'ai pas réussi à avoir Diarou là, comme on a live là-bas. Je vais appeler tous ces jeunes sous là qui sont en train de faire des vidéos. Néridement, moi live dehors. Moi live là-bas. Moi, ma signé, ben, il y a Lou, il y a Nyedouin. Et ne gagne rien. Ces maudits blogueurs ne gagnent absolument rien. Ils gagnent absolument rien. Faut une fois, un respect manquer à Mirima. Tout ce qu'ils gagnent là, c'est vu. C'est Facebook. On les regarde,
Ensuite, ils prennent des photos avec les cadres. Cadre tiré ou mouyati fait. Mouyati non ma abore mouyati reçoit jamais. On va prendre ici à Gadjalo. Je dois aller là. Voilà, yala. Je le répète encore, il faut appliquer la méthode Faux de Camara et Tatakuru avec Tokunu. C'est ce qu'il faut appliquer avec ces maudits. C'est la méthode Faux de qu'il faut utiliser. Je vais avoir les Garou, les autres. On va organiser des lives. Moumounoma, lui, de aura fouti, allez, c'est un homme. C'est pas votre camarade. C'est pas votre ami. Hein? Et même si on insulte tous les malinqués à cause de ces chiens, parce que vous n'avez rien dit. Et puis, il est tout mané, mané, et ça live, ma sévère, mané. Et ça live, et ça sendi, ma sévère, mané. Et fandera bêtise, ma sévère, mané. Donc, si vous vous foutez de, et n'a fouti, et n'a maniqué, bil nali, n'a rekombi, c'est que la cause, c'est là-bas, il faut voir. Ce n'est pas les conséquences qu'il faut calculer, mais c'est la cause qu'il faut voir. C'est tout. Donc, la Guinée, on a la Guinée brûlée. Le temps de compte n'a jamais été comme ça. Le temps de l'ancien compte n'a jamais été comme ça. Et puis, ces maudits la soutiennent, ces gens qui insultent les parents des gens. Ils vont les insulter. Ils vont vous insulter, vos parents aussi. C'est tout. Donc, on va nous arrêter ici. Moi, mon rendez-vous est arrivé. Et je vais voir, parce que le lundi, je vais être à Chicago et avec les Jaroul et autres, on va essayer d'organiser ce week-end quoi, un live avec plein de personnes, quoi, plein de personnes. On va organiser des lives et puis on va m'assimiler, mais il n'y en a pas fait à mon femme.